Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. 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 Vous avez peur? Non. Un journaliste a toujours le courage de défendre la vérité. Avant de commencer, je préfère qu'on garde une minute de silence en mémoire des victimes de la démocratie tuées par l'État contre les peuples. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation de cet avant-midi. L'objet de notre point de presse est d'informer à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'aujourd'hui, notre mouvement, le MLP, à travers nos avocats, nous allons déposer une plainte au bureau du PGR. Cette plainte est à charge de 1. Monsieur Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale. Monsieur Boshabo, vice-premier ministre en charge des questions de l'intérieur. Monsieur Pius Mabilou, député national. Monsieur Mova Sakani, secrétaire général du PPRD. Monsieur Papi Tamba, complice. Monsieur Claude Machala, le bourgmestre Kadima, Monsieur Yves Kisombe, et la liste n'est pas exhaustive au regard des données contenues dans la plainte. Comme j'ai qualité d'ester en justice pour les comptes du mouvement, nous avons déjà signé une procuration spéciale aux avocats qui vont déposer aujourd'hui la plainte. Quel est l'objet de cette plainte à charge de ces gens, y compris préalablement avant les autres noms? C'est à charge d'abord de l'État congolais, il faut changer. D'abord l'État congolais, ensuite les noms. Il faut inverser, c'est une erreur que j'ai commise. Donc, la plainte à charge de l'État congolais, à part l'État congolais, les autres noms cités sont les consorts de l'État congolais. Donc, d'abord l'État congolais, les consorts sont Boshab, Minaku, Pius Mabilou, Arimo Vasakani, le bourgmestre Kadima et tous les autres. De quoi sont-ils reprochés? Un crime contre l'humanité, pas des actes de destruction. Des violations de domicile. Trois destructions méchantes. Quatre incendies volontaires. Cinq tentatives d'assassinat. Six meurtres et vols. 7. Atteinte aux droits garantis aux particuliers. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est cela l'information principale que j'ai tenue à vous communiquer cet avant-midi. Si vous avez des questions à poser, je me remets à vous, mesdames et messieurs de la presse. Avant les questions en français, comme vous connaissez notre système, le peuple a besoin de franc-parler de la vérité. Avec votre autorisation, permettez-moi de parler également en lingala. Bino Bapanzi Sango,
na bengi bino lelo poto solo la yambote to banda masolo na sengi bino na limemia nyoso to kwa kotele mata minute moko to mi bale to mi satu pona kokanisa bande kona biso oyo l'état moyina bomaki les 19 pe les 20 pona ni na bengi bino lelo na lingina yebisa mokili o bali na Congo pe o bali na potote lelo tokofunda l'état ya Congo na ba complice na ye l'état ya Congo sima na l'état ya Congo ba complice na ye muto ali bosso ndeko ben mina ku président assemblée nationale muto ami balé Monsieur Valise Bioshabu, vice-premier ministre à l'intérieur. Yami Satu, député Pius Mabilu. Yami Ney, Ndeko Arimo Vasakani, secrétaire général PPRD. Nabatu Oyo, na bourgmestre Kadima. Simanaye, Baoyo Boyebi, na ba télévision. Balobaki ba menace, ke ba kwa kutumba. Yves Kisombe, Papi Tamba, Claude Machala, na bongo, toujours continuer à réunir, ba preuve ya mamu mususu, pote, so ba komuse ba kisami, ezan na plainte. Donc plainte wana, ba avocat na biso, ba zui motindo, to mokano, ya ko silisa ba français na bango, pote lelo kaka, ba kende ko déposer plainte wana. Contre l'État ya Congo, na ba complice na ye. To fundi bango po basali nini? To fundi bango po te basali o balwana lopoto crime contre l'humanité. Basali destruction. Ba yibi. Ba bomi. Ba lingi pe ko boma. Eza langa moko, eza batu mususu ya parti pe ba kongole mususu. Ba violer pe ba droit ya ba particulier ba droit de l'homme ba tumbi pe ba siège na biso na bombe incendiaire na balance roquette na yango donc ba infraction mususu na ko balisa ngo na lingala te boye bite likambo eza tellement grave. Nde batwana esengeli ba répondre na bizalili na bango. Plainte wana ekozala déposé na bureau ya procureur général de la République lelo. Yango nde na lingaki bino mokili boye bayango déjà. Donc le cola ezabongo na sukiswana soko mituna yali bokoki ko tuna message munena bengi bino yali ya koebsa bino te biso MLP tozi mokano ya kufunda l'état ya Congo pe ba complice na ye ona tangi ba kombo pona mbeba o basali na mokili pe na biso moko tali ba victime ba yakina ba soda na ba policier pona ebsi bino te ba larga ki ba bombe incendiaire. Explosif. Naba lance roquette. Pour la boma pe ko tumba. Tango la bana bino l'état Congo l'état moyini bilembo yangoyo l'état moloki. Toko sila na mbalo biso la bango. La justice acquise au pouvoir. Pourquoi une plainte? Non monsieur. C'est un test de sincérité au PGR qui doit démontrer qu'il n'est pas là pour servir les intérêts de la majorité. C'est pourquoi l'opinion publique est prise en témoin. Pour ne pas nous faire justice, nous allons déposer notre plainte aujourd'hui. C'est le PGR qui est mis à l'épreuve. Et au regard des profils des personnes accusées, au regard
des atrocités perpétrées au nom de l'État congolais et par des animateurs au sommet de l'État. Donc les auteurs doivent répondre de leurs actes. L'évaluation, on est en train de faire l'évaluation, on a déjà fait l'évaluation, ce détail seront dans la plainte. Ce que je veux vous informer, je suis un grand parlementaire et qu'il n'y a personne qui va me contraindre d'aller en exil, il n'y a personne qui va me contraindre d'aller me cacher, d'ailleurs je suis qu'il est librement, et que la procédure doit être respectée face à toutes les procédures judiciaires. Et là, je mets en garde le PGR de l'instrumentalisation politique de la justice. C'est la terre de nos ancêtres. Nous allons défendre la justice. Nous allons défendre la légalité constitutionnelle. D'ailleurs, l'élément de base principal sur la revendication d'avoir les élections dans le délai constitutionnel. S'il n'y a pas élection dans le délai constitutionnel, le 20 décembre, M. Kabila ne sera pas président. Il doit partir et il partira. N'oubliez pas, mes amis, que j'ai sacrifié ma jeunesse pour ce pays et j'ai déjà été arrêté par tous les régimes. On m'a arraché le mandat. Cela ne m'a pas démobilisé par découragement. Au contraire, les atrocités perpétrées par le régime les 19 et les 20 réconfortent ma détermination et ma volonté de me battre pour libérer le pays. Et je profite de cette occasion pour remercier le peuple congolais, les sympathisants de Frank Diongo, les membres du MLP qui n'ont pas eu peur, qui ont bravé l'État contre les peuples et qui ont accepté de défendre l'égalité constitutionnelle. Pourquoi tu es un peuple qui ne réclame que les élections soient respectées, soient convoquées dans les délais constitutionnels? Peut-on tu interpeller par un État normal? Je remercie également l'opinion internationale qui a protesté et qui a identifié que cette violence est venue de l'État, du gouvernement. J'ai suivi la déclaration du président français qu'au nom du peuple congolais auquel je suis porteur d'attente et de revendication, nous remercions le courage et le franc-parler du président français. Nous remercions la position des conseils de sécurité. Nous remercions la position des États d'Amérique et de la Belgique qui ensemble exige l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et qui condamne l'État d'avoir tué son peuple et son propre peuple. Même dans l'hypothèse de raisonner par l'absurde que les faux est vrai, que les opposants auraient commis des atrocités, un État responsable va-t-il planifier avec des militaires et de la police pour aller brûler avec des bombes incendiaires et des lance-roquettes les sièges des opposants? Qui va sécuriser l'autre demain? C'est cela l'interpellation de tous les Congolais. De tels actes, je sais que ça énerve davantage le peuple congolais. Je sais que les actes perpétrés par le régime a aujourd'hui augmenté la tension, la pression et la colère du peuple congolais. Ils sont auteurs de quoi? Est-ce qu'ils sont responsables directs ou moraux? Ils sont tout à la fois. Ils sont tout à la fois, monsieur. Ils sont auteurs moraux parce qu'ils sont des chefs politiques. À qui profite la crime en tuant au sein des partis politiques? Ils sont également responsables directs, auteurs directs, donc exécutants. Parce qu'en fait, la journée des 19, entre 15h à 16h30, dans cette tranche de fourchette, beaucoup d'Égyptiens sont venus ici stationner devant mon bureau. À commencer par le témoignage de mon bailleur, les propriétaires de la parcelle.
qui a dénoncé hier à CCTV, Monsieur Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, Monsieur Évariste Boshab, vice-premier ministre en charge des questions de l'intérêt, qui a la charge de sécuriser tous les Congolais. Ce n'est pas un ministre qui a la charge de sécuriser seulement le PPRD. Le secrétaire général du PPRD, les députés Pius Mabulu et tous les autres, accompagnés des détransco où il y a eu des gens en civil et en tenue militaire, ils se sont pointés devant mon siège du MLP. Ils étaient debout, ils ont descendu de leur véhicule. Explorer les lieux et proférer des menaces, des indices graves. Ils ont tiré à balles réelles sur les vitres du bureau du secrétaire général qui donne à la façade principale. Ils ont tiré sur la photo, en blessant la photo sur la partie des barbes. C'est-à-dire qu'ils ont visé déjà la mort de Frank Diongo. Et ils étaient debout. C'est cela le drame tragique de la tragédie. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer que le président de l'Assemblée nationale soit là, que le vice-premier ministre soit là, et que toutes les sociétés soient là, et que de tels actes. Et dans l'entretemps, la nuit, ils ont promis qu'ils vont brûler la nuit, ils ont dit. Voilà pourquoi nous avons sorti une jeep qui gardait ici. Voilà pourquoi les combattants du parti ont décidé de dormir comme toujours. J'ai demandé à tout le monde, parce qu'ils sont armés, il faut sortir. Ne dormez pas, qu'ils viennent faire ce qu'ils veulent. Et ils ont accompli leur forfait. Donc ils sont à la fois auteurs moral et exécutants directs. Donc auteurs directs de l'infraction. Et n'oubliez pas qu'on a tué devant mon bureau ici 3 personnes. Et la MONUSCO a été invitée de venir prendre les corps. On a tué encore dans les trajets entre les ponts Makelele et la station Molard, notamment, vous comprendrez que Bakayabé est à l'intérieur. Nous avons les identités de quelques personnes déjà tuées. Et on ne vous donnera pas tous les bilans maintenant, parce que nous sommes en train de réunir les éléments et les identités. Du moins, aujourd'hui, on va vous donner quelques noms et quelques photos. Parce qu'on a tué par balle, et que l'État congolais est responsable de balles et de munitions et des armes. Donc c'est l'État congolais qui a tué son propre peuple. Donc il y aura un procès contre l'État congolais, monsieur. Dit que le ministre de l'Intérieur a parlé d'un mouvement insurrectionnel. Mais n'oubliez pas que M. Mende avait dit des Filimbi que c'était un mouvement terroriste. Mais vous avez vu, M. Kabila, président de la République, a reçu les Filimbi à Goma et a reconnu qu'il n'était pas un mouvement terroriste. Ce sont des patriotes. Est-ce que le vice-premier ministre a parlé comme ministre d'intérêt au nom de tous les Congolais, ou il a parlé comme un ancien secrétaire général du PPRD qui voulait diaboliser les adversaires? Tout ce qu'il faudra retenir, c'est que nous avions demandé au gouverneur, l'exécutif provincial, de nous accorder une autorisation, pas une autorisation, de prendre acte que nous allons faire une marche pacifique. Cette marche pacifique, la date est du 19. Et nous étions, on a fait 2 réunions avec lui, et il y a eu des représentants de presque chaque plateforme du rassemblement. Et moi, je représentais les AR dans toutes les réunions de l'organisation avec le gouverneur. Et nous avons convenu avec le gouverneur
que les Congolais viendront de partout et que ceux qui ont des véhicules viendront en voiture, ceux qui n'ont pas de voiture viendront à pied pour rejoindre les lieux qui des rassemblements, qui était l'espace ici de l'enseignement. C'est d'ici qu'on devait continuer jusqu'au niveau des 24 et continuer l'itinéraire et revenir tenir notre meeting ici. De la même manière, ceux qui devaient venir de l'échangeur avaient comme point de rassemblement ici. De la même manière, nous qui sommes du côté d'Ngaliem, nous avons commencé de barrer. Et la volonté, c'est le point de chute d'ici. Vous trouverez que sur toute cette ligne où Frank Diong avait conduit les Congolais, il n'y a eu aucun pillage, on n'a cassé nulle part jusqu'au point où nous sommes arrivés. Par contre, il y a eu les actes de provocation au niveau de l'école Sévigné. L'armée a tiré à balles réelles, tu vois, 5 personnes. Et on nous a empêchés de temps en temps, bien que j'étais député, on nous a empêchés de temps en temps de continuer. Et ils ont utilisé, ils ont volé, voulu me tuer directement. Voilà un peu, mes chers amis, quelques éléments où les avocats donneront des détails. Ça, c'est quelques éléments dans les faits. Et je ne suis pas en train de décrire exactement tous les faits parce que beaucoup d'éléments sont en train d'être rassemblés, collectés pour atteindre la fin. Donc, ici, vous êtes en train de comprendre que je ne suis pas en train d'accuser ou citer les noms des gens parce que je ne les aime pas. Je n'ai aucun problème personnel avec toutes ces personnes-là que je considère, au-delà de la situation politique, comme mes frères. Je ne pouvais pas imaginer que moi, député, un président de l'Assemblée nationale, viendra faire ce qu'ils ont fait. Je ne pouvais pas m'imaginer que le vice-premier ministre, en charge de la sécurité de tous les Congolais, pose de tels actes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un état voyou pour les gens qui sont modérés? Mais déjà, je vous ai déjà dit que l'état congolais est l'état contre le peuple. Parmi les gens qui ont été tués à Bandal, qui n'ont rien fait, d'abord, ça c'est un étudiant de l'IPN. Ça vous montre les documents même qu'il a payé à la banque. C'est un étudiant de l'IPN. Celui-ci, c'est Tony Essiki. Un étudiant qui n'a rien fait, qui a été tué à balles réelles par des militaires sortis de l'école Sévigné. Donc, les quatre personnes ont été tués par des militaires qui sont sortis de l'école Sévigné. L'étudiant ici de l'IPN a été tué. Ce n'est pas par la police, mais par l'armée, les militaires qui sont sortis de cette école. Ça, c'est Bébé Odao Chantal, mère de cet enfant. Orpheline des pères et des mères, veuve. Il a été également tué par des militaires qui sont sortis de l'école Sévigné. Cette dame n'a rien fait. Ça, c'est parmi ceux qui ont été tués à Bandal. Le monsieur ici, qui est Ake, il habite à Mombele. Il a été tué ici, devant notre siège. Et c'est la MONUSCO qui nous a aidé à prendre le corps. La MONUSCO et
l'ambulance de la MONUSCO. Ça, c'est un échantillon qui vous montre que nous sommes en train de récolter. Et les preuves, nous avons donc même des photos quand ils sont tombés là-bas. On est en train de réunir tous ces éléments. Je crois que le devoir de vérité, le devoir de transparence, le devoir de redevabilité en ma qualité de porteur d'attente et de revendication des citoyens, je dois prendre date avec l'histoire pour dénoncer, condamner, protester et accuser que notre détermination, que le Congo soit un état de droit. Peut-on agir de la sorte? Si la manifestation a été annulée, la chose la plus simple, c'est d'encadrer, d'orienter et de conseiller aux leaders de rentrer. Qui va dire que la ligne que Frank Diongo a conduite de Barret jusqu'ici, qu'un seul magasin a été pillé, qu'une seule station a été brûlée, qu'une seule casse a eu lieu. Voilà pourquoi ces fausses accusations, c'est un prétexte avec arrière-pensée, montant de faux dossiers pour empêcher aux résistants de continuer. Je vous remercie. Ngala na koyanula boye. Pona ni toke ko funda. Pona ko talisa na mokili. Ko tia PGR à l'épreuve. Motambo akosale la justice. Toi akosale la baye bachake na musala, bapesa ke musala. Pour la démocratie, justice et défendaka, bosolo, bosembo. Peko katali kambona sembo. Nayango donc, eza responsabilité mounene opéje la koutali sana moukili. Et puis moukili moubima, pepe kongole va koutal. Mais là, quand sengeli boye ba, souverain primaire peuple congolais, a conduit ma décision moka mabete, décision moka lukutate, parce que yebi la cour populaire ezali likolo ya ba cour nyoso ulanaki na Gabon. Jean Ping alobaki na président ya cour constitutionnelle pa na bango, peuple gabonais ba conduit ma décision ya lukutate ya mabete. Soko yo pesi décision ya mabete, peuple gabonais ba kubwa kisa yango. Parce que pouvoir nyonso, est la PGR, est la Cour constitutionnelle, est la Cour suprême, est la Président de la République, est la députée. Nga na koloba na bino lokola moko na oyo bakomaki constitution. Na lo poto balobaka ngo pouvoir d'attribution. Et qui koloba te ba pension etenya ki bokonzi o sale na yango na kotosaka mibeko pe mobeko likonzi. PGR, Cour suprême, Cour constitutionnelle. Bali na pouvoir illimité teke, oya ko sa ninga kolinga. Ko bosa na teke se pays pe ali. Yo ko sa la kabuzo ba union sa ko sa la wa, se pays pe ali. Ko bosa na tete, parmi bilembo to fundi bango, crime contre l'humanité, se pays asambi sa kayango. Oyebite ebele abato ba Congo ba kusamba na ces pays. Donc ndeko Flori na kosala masanote to masekite na yebi ona kosala. Po soko na sali yango te. Kanda bana Kinshasa bana ngo ba goloba Frank Diongo misali justice yimoko. Po na misala justice te. Po soko na kalma ka ba kinwa te. Mais si vous avez sorti en Angola, vous pouvez vous faire. Pourtant, on a un peu de chaos. Mais Biro a perdu des années en Galiema. Non, lui a cité à ses combattants dans la Grand Malik. Combien de Biro est en Galiema?
So wa Frank Jonga linga katumba papiro na bango. Est-ce que blongo ngeti kala? Des millions des millions de bimisai ba moné en marche. So na pesa ordre. Na na kotelem. Pour na kotel sa te va verti na zakana ngo. Eza kotumba papiro te. Na démocrate, il faut qu'on y ait bande de Floride. Toutes les rébellions oyo. Bakuta Frank Jonga opposant. Dernier prisonnier politique à Maréchal Mobutu na Kanchati. Na sukola makila jene maela comme prisonnier politique ngai. Ba yenga biloko na boloko na kisi. Babi bo pesa biloko kulia te tukubome na butu. Bo pesa kisa melate ata melikisi a tukubome na butu. Muta modela na bosa na bitumba na yake akosa la violence, nga na kosa la violence. Eza la aner, eza la armée, eza la police. Ba yebi. Frank Jonga za démocrate. Aza la violence te. Eza général Kanyama. Eza général Bisengimana. Eza général Tango Fort. Eza ministre Boshab. Eza M. Kalev. Qui ne sait pas que Frank Jongo aza la violente. Aza démocrate et que toutes les rébellions. RCD Botami Awa. M. Mende. Ba kena na rébellion. Ba kata na maite. Frank Jongo boya kiango. Toutes les rébellions Botami Awa. MLC. RCD, tout ça. Mais bakutanga opposant. Babotanga manda awa. Na kenda exilte. Attends, tango rebelo M23 bimiawa. Ya CNDP. Combien de polia bakenda, bakenda kuna? Frank Jongo. Aide à la non-violence. Aide démocrate. Je vous dis sérieusement, monsieur Ndeko Flori. Que batoua na nyoso, moutoumoko tako za kundima Frank Jongo a kosa la violence a koutoumba. Parce que droit est à preuve. Et ça passe. Na pesu mi bilembo. Nombre a ba million de personnes bon monyoana. Soko na lobi ke ba boba toumba. Bako koutoumba déjà. Barrière moko oyo, il faut na pesa. Merci pe félicitations. Colonel et Ager Oyazaki na DGC na ba ilema nae. Na kombo a peuple congolais, na pesa bango merci pour ba beti massa cité, tant que population ba leki, to leki ko banda barré, ba leki na DGC, ba tiki ba zaki na jeep na bango na ba mitrette na bango, ba beti massa cité ba violenter mutute, nde to komi na comment on appelle ça na station ya centre supérieur na station Sansoana tokoti nzela ko bima na Saint-Luc et puis colonel en Niger à sale le côté na combat peuple congolais to pc merci na belimani za kina bango. Par contre ba policier ba sala ki tupo na ko bomangai tina ki ponza awa. Ba pointenga GP, ba tonyoso ba mona kiango. Ba pointenga GP, bako beta, ba gaz, pe GP, bako fixe GP. Zambe, akangi bango miso, mwen GP ane kota ezate. La même chose, tango ba lance ba bombe, ba bombe incendiaire. Biro nyoso eziki. Monte et saute, si on a vandaka. Et qu'est-ce que c'est que ça, c'est Manango? Donc, merci beaucoup, Nakanisi. Et là, il faut beaucoup kanga ou andeko Flori. Nga na na problème na l'état mouinité. L'État moyenne a lingi dictature et kota. Nga démocrate, n'a ko bundisa dictature, ti na libération peuple congolais. Bolani ne batoua na nyoso bayaki, ne ba telemaki, ne ba pesa ba menace, na ne ba pesa ba déclaration na ba télévision avant, ke toko réplique, toko sala mabe, et puis ba sali mambe ango. Et puis, na imika, toza na bande vidéo, toza na ba bande. Tant que vous avez 5000, dans le monde, vous avez maki. Que vous avez biso. Na bandal, tant que vous avez na bandal. Il faut que vous tango bayaki ba meka kwa affronter biso.
batali dispositif de sécurité à ba volonté à bana Congo bilonga batamakasi ezalaki wana na profiter na remercier ba sécurité nangai ba volontaire nangai ba ba sécuriser ngai moko pe parti pe peuple congolais ba boya ki ko kima pe kotika ngai bobete la maboko na bato nyonso ba sa sécurité na biso. Potango, tango, ba bettinga ba gaz e belé na ba grenade e belé. Bon moni ki nazwa ki passe na makolo mena tambo leza li sauté. Moko na bango a memingai. Ba memingati bisika oyo na mukolo ndako oyo ayamba kingai. Na kasavubu na pese merci na kumba peuple congolais. Po abikisa kingai po tina na bango il fallait ko achever nga ti baswanyi nga wana na pesi pe merci na agent Croix Rouge o azaki na tenue civile ayaka o sala secours e bandeli na pesi pe merci makasi mais moya suka détermination à combat na biso e ali. Makambo etali le 19 décembre. Ezali souka mandat M. Kabila. Toko continue ba action. Na ba action pacifique jusqu'à obtenir le départ de M. Kabila. Pour la biso MLP. Il n'y a plus de dialogue avec M. Kabila. Une seule demande, départ à M. Kabila. Le kona ba bomima na Congo, ba tumbi ba bia ba bia na biso na ndeko na bango kojo. Po kojo o baza ba li bato kojo iko boma. Donc, Nayango, donc, biso doit continuer bitumba. Donc, na kombo MLP na présenté ma condoléance na va famille nyoso. Pe na ba condoléance na ba membre nyoso ya MLP. Pe ba parti nyoso na o bazana ba parti te mais ba ye pona ko répondre na appel ya président Tshisekedi. Pe ya rassemblement. Pe ya biso nyoso. Donc, to lelina bango to boyi. Et puis, te présenter ma condoléance, Nabiso. Na soukisiwana, au revoir, merci.